Allô? Allô Pierre, c'est Paul Edouard. Je dois une merde interstellaire. Non, tu l'as niqué? Oui, je l'ai niqué. Faut absolument que tu m'aides. Oh putain. Je fais quoi? J'ai peut-être une solution. Vas-y, accouche. Mais je mets un truc en échange. T'es sérieux là? Steven? Oui? Quand tu partiras, tu feras gaffe à pas réveiller mes enfants, s'il te plaît. Ah oui, carrément, ouais. Ouais. C'est bon, tu l'as reçu, t'es content. C'est quoi ta solution? Écoute, mec, je vais te filer le numéro d'une boîte qui va te sauver la vie. Quelle boîte? Oh, je vais le tuer! Sur la tête de ma mère, je vais le tuer. Excuse-moi, maman. Mademoiselle, votre fiancé est un héros. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est sacrifié pour sauver Timmy, le chien d'un petit enfant aveugle. Tout ça lui a valu une nuit d'hôpital et un portable cassé, mais bon. Vous pouvez être fier de lui. Oh, moi qui t'engueulais au téléphone. Oh, je suis désolée. Oh, je suis un monstre. Pas grave. Oh, pardon. Oh, pardon, mon amour. Ça va. Et voilà. Il lui restait plus qu'à profiter pleinement de sa journée, sans soucier de rien. Et ce, grâce à nous. Bravo, c'est brillant. Et j'imagine qu'avec un physique pareil, vous devez avoir d'innombrables conquêtes. C'est comme ça que vous êtes venu l'idée de cette société? Non, c'est gentil, mais pas du tout. Non, en fait, c'est quand j'avais 10 ans, ma mère a grillé une infidélité de mon père. Elle s'en est jamais remise, mon père l'a regretté toute sa vie, et moi j'en ai souffert toute mon enfance. Et en grandissant, je me suis dit, si mon père s'était pas fait prendre, on aurait pu échapper à tout ça. Non, franchement, t'as un super CV, hein. C'est impressionnant. Et je me pose juste une question, c'est comment ça se fait que tu sois jamais resté plus de 6 mois dans une boîte? La routine me fatigue vite. C'est ce qui me plaît dans votre société. On a l'air de jamais s'ennuyer. Oui. On peut pas l'embaucher, il sera jamais à l'heure le matin. Et pourquoi? Bah, t'imagines le temps qu'il doit mettre pour se gominer les cheveux. Et toi, tu dois être en avance alors. En tout cas, sache que ton profil m'intéresse. Donc, si tu le souhaites, bah, t'es le bienvenu parmi nous. Donc, maintenant, si t'as des questions, n'hésite pas. J'en ai une seule. Je commence quand ma formation, boss. On part du principe qu'un petit mensonge fait moins de mal que la vérité. Vive ses envies et restez discret, c'est notre devise. Françoise, comment ça va? Super bien. Tenez. Ah, merci. Bon, bah, à la semaine prochaine. Oui. Françoise, oui. Vous ferez attention, vous avez remis votre chemisier à l'envers. Merci. Qui c'est qui va manger des bons muffins? C'est moi! Mais quelle belle idée, ces cours de cuisine! Ah, par contre, fais attention, t'as fait une tâche à ta jupe en cuisinant. Oh, cochonne! Certains vont dire que notre société est immorale, mais ils se trompent. On cautionne pas tromper son partenaire, mais des gens le font. On est là pour éviter à leurs victimes d'en souffrir. On les préserve. En plus, les adultères concernent qu'une partie de nos clients. Alors là, vous avez les couleurs typiques de Pont-l'Abbé, c'est-à-dire jaune et orange. Oh, c'est Romain! Oui, mon cœur! Coucou ma chérie! Ah bonsoir Jacques et Martine! Bonsoir Romain!
Tu es encore au bureau? Ouais, m'en parle pas. Gourdon a avancé la réunion à demain matin. Commencez sans moi, avec un peu de chance, je serai là pour le dessert. J'espère que vous pourrez vous libérer parce que j'ai reçu les photos de Pont-l'Abbé, du musée de l'abbé Goudaine. Oh non, quel dommage. Bon, je vous laisse, j'ai encore pas mal de travail. Je vous embrasse. Au revoir, chérie. Au revoir, Romain. Top, c'est bon, super, super, ça y est. Je laisse, ça va? Yeah! Tu restes combien de temps chez ta mère? Le dimanche. Tu sais que malgré tout ce qui nous arrive, t'es la bienvenue. Passer le week-end dans les montagnes un peu de cul avec toi et ta mère, non merci. Comme tu voudras. Bonjour monsieur Godet, vous allez bien? On ne peut mieux. Je suis excité comme une mouche dans le cul d'une vache. Bonjour monsieur Godet. Bonjour, ça va? Oh. Bon voyage monsieur Godet. Merci, au revoir. Alors Vegas? Ah bah je me suis plus éclaté qu'au loto de Saint-Just en chaussée. Bon tenez, là vous avez vos tickets de péage jusqu'à Albertville. Ok. Et là vous avez du Beaufort et du saucisson frais. Ah c'est gentil, merci. Et lui, pourquoi cache-t-il à sa femme qu'il a gagné au loto? Parce que le divorce n'a pas encore été prononcé. Bat dans les mains. Pas de bruit. Salut. Salut. Je te présente Clara. Salut. C'est bon, tu les as bien? Ouais, c'est bon. Continue, continue. T'es là, bébé? Ouais, je suis là. Ça s'est bien passé, ta promo, mon cœur? Je suis foutu, là. Ouais, t'inquiète. Je t'ai fait un saumon papillote avec des légumes sur Teco. Ah ouais? Eh ben, je vais te faire des papouilles, on va se regarder la Reine des Neiges sur le Teco. On s'engage à trouver des alibis infaillibles pour préserver le jardin secret de nos clients auprès de leur famille et de leur entourage, les libérant de toute contrainte personnelle. On a mis au point un grand nombre de solutions sur mesure pour justifier ou excuser nos clients sans jamais les juger. Car notre but, c'est d'aider les gens. Voici ton contrat, t'as juste à signer là. Et là, c'est la clause de confidentialité. Tu fais quelque chose après? On pourrait peut-être aller boire un verre? Désolé, je suis maquillé. Ah non, je parlais pas à toi. Ah. Clara, je t'ai dit que c'était fini entre nous. Je te l'ai dit depuis le début que l'engagement, c'était pas mon truc. Bon, et si on mettait un peu de musique? Oh non, pas encore la police de Greg. Hein. J'en peux plus des années 80. Je t'y connais rien, c'était la meilleure époque. Moi, je trouve ça très bien. Et ben voilà, merci. Greg, tu peux arrêter la voiture, s'il te plaît? Pourquoi? Il faut que je te parle. Je peux savoir à quoi tu joues avec Mehdi? Tu vas pas recommencer. En 20 ans qu'on se connaît, est-ce que je t'ai déjà trahi une seule fois? Alors arrête de flipper, personne prendra ta place. On est une équipe de super-héros, tu te rappelles? T'es Batman, je suis Superman. Bah oui, je me rappelle. En attendant, Musulman n'a jamais fait partie de leur équipe. T'arrêtes un peu. Hein? Allez. Allez, je te dis. Voilà. C'est bon, pas d'autres questions? Non. Bon. Si. Pourquoi t'es pas resté avec Clara? C'est l'air d'être une fille bien. Je suis pas tombé amoureux, j'ai plus rien. Mais tu dis ça à chaque fois. Je sais que l'histoire de tes parents t'a traumatisé, mais faut pas que ça t'empêche de tomber amoureux. Je m'empêche pas et j'y arrive pas. Ça n'a rien à voir. Et de quoi tu parles, toi? T'as jamais couché avec une fille de ta vie? Le seul vagin que t'as vu, c'est celui de ta mère. Non, mais ça n'a rien à voir. Moi, je garde ma petite fleur pour l'élu de mon cœur. C'est différent. T'as jamais osé, surtout. Oui. Tu sais que dans la vie, y a pas que les jeux vidéo et les super-héros. Hein. Ils sont sérieux, les gens? Tu vois, il y a des choses qui me dégoûtent dans la vie. Hein. Mais alors ça, je trouve ça dégueulasse. Allez, viens, mon père. Viens. Un impact sur un pare-brise, faut pas aller
Lucky. Oh, Lucky. Quel con. Je m'en veux tellement de l'avoir mal attaché. Il est encore tout jeune, il est tout foufou. Faut pas culpabiliser, c'est pas entièrement de votre faute. Mais bien sûr que c'est de ma faute, j'aurais dû l'emmener avec moi pour pisser. Quand on me regarde, j'y arrive pas. Alors ? Alors quoi ? Mais il est mort, ton Clébard ! C'est tant mieux. Moi, j'aime pas les bêtes, ça me fait chier. Mais c'est une blague, je déconne ! Oh, il va très bien, ce con ! Une bosse, une dent cassée, puis c'est tout, demain, il fait Roland-Garros, hein. Putain, elle est bonne, la vache, t'en veux ? Ça te dérivera le fion. Et toi, le blondinet, non ? Non, merci. Oh là là, dis donc, ils sont pas marrants, les deux, là. Reviens demain, je te donne ton Clébard. Allez, salut. Oh bah, cool. Ouais, je suis soulagée. Je sais pas comment vous remercier. Oh. Un resto, de l'argent, une pipe. Oh, je suis désolée, c'est la pression qui retombe, mais quand je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. C'est pas grave. En plus, j'ai pas faim. Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Bon, bah... Bah oui, faut que je file. Ok. Merci de m'avoir accompagnée, en tout cas. Pas de problème. Je m'appelle Florence. Florence Martin. Grégory. Grégory Van Uffel. Ah, enchanté. Enchanté. C'est bon, on a déposé Clara. Alors, tout va bien ? Je sais pas trop. Bonjour. Bonjour. Voilà, je viens vous voir pour un ami marié. Il vient de rencontrer une jeune femme avec qui il voudrait peut-être partir en week-end. Et il voudrait savoir ce que vous pourriez faire pour l'aider. Je vois. Comment s'appelle votre ami ? Son prénom, il s'appelle comment ? Jean-Claude. Jean-Claude, ok. Eh bien, alors expliquez à votre ami Jean-Claude qu'il n'y a aucun souci pour ça. Oui. On peut mettre en place un alibi doublure. C'est-à-dire qu'on envoie quelqu'un là où il est censé être et qui va se faire passer pour lui. Cette doublure va utiliser sa carte de crédit et fera acte de présence. De notre côté, nous, on va remettre une autre carte de crédit à Jean-Claude qui lui permettra d'effectuer toutes ses dépenses sans que ça apparaisse sur ses comptes en banque. Ah, d'accord. Il voudrait partir où ? À Cannes. Okay. Ah, allez, moins 70%. Votre ami est économe. Ah bon ? Ok, vous savez ce qu'on va faire ? Je vais vous laisser un petit formulaire pour en savoir un peu plus sur Jean-Claude et pour élaborer le meilleur alibi possible. Ok ? Allez, à bientôt, Jean-Claude. À bientôt. Oui. Boum ! Elle est pour toi, Lucky, celle-là. En tout cas, c'est surprenant comme endroit pour dîner. T'as cru que c'était une date ou pas ? Pas du tout. De toute façon, j'ai bien vu sur ton Facebook que t'étais déjà prise. Il m'a espionné, c'est trop mignon. Non, le statut amoureux, c'est stratégique. Sinon, t'as trop de relou qui te demande un ami. Non, mais arrête de rêver, hein. C'était pas du tout de la drague. Moi, c'était juste pour prendre des nouvelles de Lucky. C'est de la gentillesse. Ah bah tiens. Sois gentil alors, occupe-toi de lui. Hein ? Et sinon, tu fais quoi dans la vie ? Enfin, je veux dire, à part jouer au bowling et pisser dans les bois. Je suis juriste. Juriste ? C'est-à-dire ? J'essaye de faire appliquer le droit. Je supporte pas les fraudeurs, tricheurs et menteurs en tout genre. Ah. Et toi, tu fais quoi ? Moi ? Je suis steward. Cool. Ah, pardon. Attends. T'es sérieuse ? T'as Jean-Luc Laillet en sonnerie de téléphone ? Tu veux vanner, c'est ça ? Oui, j'adore. Et alors ? C'est à ton tour de jouer, l'hôtesse de l'air. Tiens. L'hôtesse de l'air, elle va te mettre une de ses raclées. Toi, tu vas mettre une raclée ? Tu veux parier ? Je parie ce que tu veux. Ok.
Non, t'as pas le droit de faire ça, c'est ma dernière boule. Non, non, tu te retournes, tu vas là, sinon les paris, c'est annulé. Allez, allez. Mauviette. Personne ne me traite de mauviette. Strike. Ouais. Possible. Voilà, j'ai gagné. En tout cas, il a l'air d'aller mieux. C'est cool. Ouais, il va mieux. On y va. Bon, t'es content? Grave. Mes fringues. C'est que tu m'as fait mon année, là. Super. Ah, tu te fous de moi avec Jean-Luc Lahaye, alors tu mates des films avec Van Damme, ça? Tu rigoles. Bloodsport, meilleur film de tous les temps. Mais aussi la plus grande frustration de toute ma vie. J'ai jamais réussi à refaire son coup de pied retourné. Eh ben, elle est cool, ta vie, à toi. Eh, sois pas vénère, hein. Je dis pas rien, moi, si t'es nul au bowling. J'espère juste qu'il y a des jeux où t'es meilleur, parce que pour une compétitrice, je suis sacrément déçu. Ok. Debout. Quoi? Debout. Le premier qui risque prend une putain de tapette. Ok. Ça, t'as pas le droit, c'est pas... Et toi, t'as perdu. Tu me ramènes ? Je suis un être à la recherche. Flo m'avait pas dit que sa femme de ménage devait passer aujourd'hui. Je suis sa mère. Ah bon? Ah, c'est Flo. Elle va avoir une demi-heure de retard. Cool. Je suis vraiment désolé. Ah. Oh, aussi. Non, moi plus que toi. T'arrêtes un peu ou quoi? Ah, allez, moi aussi. Bisous. Bonjour. Charlie, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà dit que j'étais pas babysitter. Mais je veux.
peux pas aller à l'école, ils se moquent de moi tout le temps. Mais t'es marrant, toi. En un mois, tu t'es déjà chopé une grippe, une gastro et t'as perdu tes deux grands-mères. Tu veux que je dise quoi, moi, maintenant? Tu peux dire que j'ai la ménopause, maman, depuis qu'elle a ça, elle va plus travailler. Bon, repasse dans une heure, je vais te faire ton certificat. Allez, vas-y, va-t'en. C'est la dernière fois. C'est bon, Greg, ta voiture est toute propre. Merci, Mehdi, fallait pas, ça me gêne. Bah, attends, tu plaisantes, ça m'a pris que deux secondes. Et puis t'allais quand même pas rencontrer tes beaux-parents avec une voiture sale. Tu rencontres tes beaux-parents? Ouais. Bah, sympa de l'apprendre. Ah, t'étais pas au courant, toi? Excuse-moi, Augustin, je suis stressé, j'ai zappé. Voilà. Hé, hey, mon pote, ça va aller. Dis-toi qu'après ce qui s'est passé avec sa mère, il ne peut rien t'arriver de pire. Coucou, papa. Je te présente Greg, le fameux policier Stewart. Greg, mon père. Bonjour, Jean-Claude. Gérard. Gérard, pardon. Bah, ben, rentrez. Gérard, c'est toi qui touches mes photos? Je les retrouve toujours de travers. Mon amour. Coucou, maman. Bonjour, Marlène. Bonjour, Greg. Il a préféré venir habiller aujourd'hui. Oh, c'est mieux. Il aurait complexé ton père. Bah, pourquoi t'as mis ça en couvert? Moi, j'ai invité Maurice. Ah bon, on va se fendre la gueule? Bon, le pauvre, il vient de se séparer de sa femme. Il était cocu comme un rat. Tout le quartier était au courant, sauf lui. C'est affreux, non? En effet, oui. En plus, tu passes pour un con. Oh, c'est devenu une épave. Oh, il est pas beau à voir, hein. Un débris. Je suis là. Oh, pardon, Maurice. Je t'ai pas entendu entrer. C'est pas grave. Je vous ai apporté un petit cadeau. Je pensais que ça irait bien dans votre salon. Il fallait pas. J'ai fait Marlène. J'ai passé 352 heures dessus. Ah, c'est plus que Gérard. Bon. Bon, je vais chercher du vin. Vous venez avec moi, Greg? Bah, j'en avais ramené. Non, mais du vrai vin. Ah, bah, je peux venir avec vous si vous voulez. Non, non, ça va aller, Maurice. Hey, Stewart, vous n'avez pas honte de mentir à ma fille? Mais c'est une blague? Et vous alors? Jean-Claude? Oh. On est d'accord qu'on arrête la mission. Moi, je peux pas faire ça, Flo. On n'arrête rien du tout, vous voulez dire? Je suis désolé, mais moi, je refuse le contrat. Il en est hors de question! Je vous ai dit non, Gérard! Ok. Pas de soucis. Merci. Je vous assure que c'est beaucoup mieux comme ça. C'est plus sain. Non, vous avez raison. Soyons honnêtes. Et allons dire à Flo ce que vous faites vraiment dans la vie. Non, non, faites pas ça! Je vous en supplie. Bah, si, c'est plus sain. En revanche, je sais pas si elle vous pardonnera un jour, hein. Vu qu'elle a largué son dernier mec juste parce qu'il avait triché au Monopoly. Donc j'ai pas le choix, quoi. Bah, non, je crois pas, non. Vous leur faisiez aussi du chantage aux autres mecs de Flo? Bah non, vous êtes le premier qu'elle nous présente. Et ça, c'était où? À New Delhi en 87, quand je travaillais pour Médecins Sans Frontières. Quel souvenir. C'est génial. C'était génial. Ah, et c'est vous, là, Maurice? Oui, oui. Avec mon fils et ma femme, avant qu'elle me trompe. Votre fils? Oui, avec ma femme, on avait une chance sur un million d'avoir un enfant noir. On a eu cette chance. Il y en a qui gagnent alors au million, on a eu un petit noir. Et c'est qui, lui, sur l'autre photo? Alors lui, c'est le chef du village. Il était trop sympa, on y allait tous les ans. Oh, et là, c'est l'année de notre rencontre avec Gérard. On dansait à n'importe quelle occasion. Oui. On était les Jay-Z et Beyoncé de l'époque. Oh, c'est plus de notre âge, malheureusement. D'ailleurs, ce sera le 30e anniversaire de notre mariage ce week-end. Et Gérard sera même pas là. Ah bon? Il est à un séminaire pharmaceutique à Beauvais. Mon pauvre chéri. Le boulot. Bon, t'inquiète pas, maman, je serai avec toi. Greg sera pas là non plus, il part demain en Tanzanie. On ira voir nos amants. Si vous voulez, les filles, je pourrais venir vous remonter le moral. Non, t'embête pas, Maurice, on va rester entre filles. Ah, moi aussi j'ai des photos à vous montrer. Vous allez emménager ensemble? Oui, on a trouvé un super appart. Bon, on attend encore la réponse. Hein. Je suis trop contente. Tu m'as pas dit que j'étais le premier mec que tu présentais à tes parents? Je voulais pas te faire peur. Je crois que ma mère déprime, d'ailleurs ça me rend triste. Vu qu'elle est à la retraite, elle s'ennuie et en plus elle se retrouve seule à son anniversaire de mariage, la pauvre. Bah, essaye de lui changer les idées.
Ouais, t'as raison. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Non. C'est con. J'ai pas envie que tu me laisses seule ce week-end. Bienvenue au séminaire, monsieur Martin. Et bon séjour à Beauvais. Oui, Gérard. Ouais, ben c'est quoi cette carte bancaire qu'on m'avait donnée? Je viens de déjeuner, là, j'ai pris quelques bouteilles, elle marche déjà plus. Bébé! Ah bon? Vous êtes sûr? Allô? Allô? Vous êtes là? Allô? Allô, Gérard? Oui. C'est très bizarre, normalement, il y a tout ce qu'il faut sur le compte. Ah, oui. Vous avez demandé le prix de la bouteille? Excusez-moi, c'est combien la bouteille de champagne? 1000 euros, monsieur. Bien entendu, là, il a dit 1000 euros. Écoutez, moi, je veux bien réapprovisionner le compte, mais faut vous calmer, hein. Oh ben, comptez sur moi, comptez sur moi. La champagne, c'est pour qui? Allô? Non. J'ai toujours pas de likes sur ma dernière vidéo. Ah bon? Ah. En effet, ouais, c'est bizarre. C'est super. Par contre, j'ai gagné une vue depuis qu'hier. Ouais, mais ça, c'est peut-être parce qu'on est en train de la regarder. Ouais. Des fois, j'ai envie de baisser les bras. Je me dis que je percerai jamais. Oh bah, qu'est-ce que tu racontes, ça? Pas ou quoi? Et tu sais quel âge il a percé de finesse? J'en sais rien, je les connais pas, moi, les chanteurs de ton époque. Allez. Commande-nous du champagne, ça va monter le moral. Champagne? Attends, on en a eu toute la journée, ça va. Mais on l'a pas vu. Et puis comme ça, je serai en forme pour notre première fois. Allô, room service, oui. On voudrait se faire livrer du Dom Pérignon à la chambre. Comment ça? Vous n'en avez plus? Mais enfin, au prix de l'hôtel, c'est un scandale. Bon, ils n'ont plus rien. On rêve. Bon, t'inquiète pas, je vais te trouver ça en ville. Merci, mon ours. Puis moi, je vais mettre une tenue plus légère. Ouais. Au téléphone, mon cœur. Mmh. Il ira donner à manger à Loki ce soir. Ah. J'espère qu'il va pas mettre trop le cafard au chien. En fait, le mec de l'accueil m'a dit que si on voulait aller à la plage demain, il nous conseillait la plage Zelos. Il paraît que c'est sympa, il est très retiré. Bon. Moi, je sais pas si je vais oser me mettre en maillot. Hein. J'ai un peu grossi. Oh, n'importe quoi. Oh non, ce serait papa, je comprendrais, mais toi... Ah, tu l'as eu au téléphone, d'ailleurs? J'ai pas réussi. Je vais réessayer, tiens. Surprise! Qu'est-ce que tu fais là? Eh ben, c'est notre anniversaire de mariage, non? Et ton séminaire? Dans la vie, il y a des priorités.
Comment t'as su qu'on était ici? Bah, c'est moi qui lui ai laissé des messages aujourd'hui pour lui dire. C'est les messages. Et la tenue fait partie aussi de la surprise? Ouais. Oh, elle est vraiment rose, ta chemise. Hein. ça te plaît? En tout cas, vous avez choisi un très bel hôtel. Comment vous l'avez trouvé? Oh, bah, c'est un peu grâce à toi. Il y avait une page ouverte sur ton ordi avec une super offre. Je me suis dit que ça ferait du bien à maman. Oh, t'as bien fait. Elle est où, ta valise? On m'en parle pas. Ils me l'ont perdu à l'aéroport. Oh, c'est pas de bol? Non. Ah, c'est vrai que c'est pas de bol. Non, pas de bol. Oh, bah c'est Greg. Mon amour, ça va? Ouais, ça va. Je suis enfin arrivé, j'en pouvais plus. Et toi, ça va, ma chérie? Bah super. J'ai suivi tes conseils, j'ai emmené maman au week-end. Ah bah génial, ça va lui faire du bien. Tu m'étonnes. En plus, regarde qui nous a fait la surprise de venir. Coucou. Salut mon petit Greg, ça va? Comment c'est la Tanzanie? Oui, ça va, merci. C'est magnifique la Tanzanie. Il y a plein de zèbres. Oh la chance, tu m'enverras une photo? Oui, bien sûr. Bon, bah, il manque plus que toi pour que tout soit parfait. Bah, moi aussi, j'aimerais être avec vous, tu sais. J'ai tellement hâte de te retrouver lundi. Moi aussi. Tu sais quoi, ma chérie? Je suis mort, en plus, ça capte vraiment mal. On se rappelle demain, comme ça je te laisse profiter de tes parents. Dommage pour toi, j'allais te montrer, mais ça. Bonne nuit, chérie. Repose-toi bien. Bisous, mon amour. Non mais c'est quoi ce bordel? J'en sais rien. Elles sont venues en week-end dans le même hôtel que moi. Apparemment, j'ai dû laisser des pages ouvertes sur mon ordi. Elle est où, Cynthia? Bah, elle est dans sa chambre. Mais moi, qu'est-ce que je vais faire? Flo commence à me poser plein de questions. En plus, j'ai pas de valise, j'ai pas d'alliance. Elle est où, l'alliance? Chez moi, je l'ai planquée sous mes slips. Bon, on vous apporte tout ça. Gardez vos téléphones près de vous. Gérard? Oh, elle s'approche. Je dois raccrocher. Allô? Allô, Cynthia Bellini? Oui. Oui, bonjour. Police nationale, je vous appelle pour vous prévenir que Monsieur Gérard Martin a été incarcéré en cellule de dégrisement pour état d'ébriété sur voie publique et outrage à agent. Ça m'étonne pas, il a bu toute la journée. Je le note. Je vous préviens donc qu'on risque de le garder un petit moment. Il vous appellera à sa sortie. Ah ouais, je peux passer le voir? Non, madame, ici c'est un commissariat, pas un hôpital. Ok, d'accord. Bon, bisous! J'avais prévu cette éventualité. Je m'en occupe. Non, toi tu restes ici. Je m'en occupe. T'as encore une période d'essai. C'est bon, j'y suis. Je coupe le courant. Bon, je vais devoir m'en occuper. Reste ici, Greg. Je vais casser le carreau. Je voudrais pas te blesser. Ça va? Tu recommences pas? Après. Vous occupez de faire une valise avec ses affaires. Moi, je m'occupe de l'alliance. D'accord. Et viens, viens. C'est la police, je sais pas. Planquez-vous. Cookie ? Merde, c'est Maurice. Il est venu nourrir le Klebs. Oh. Et voilà, va-t'en manger.
fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés tous les deux. Tu te manquais? Toi aussi, tu me manquais. J'adore quand tu me regardes comme ça. On est bien ensemble. Augustin, t'as pu t'occuper du joaillier ? Oui, mais j'étais juste. Cool. Mehdi, c'est bon pour les sapes, les hôtels et les cartes de visite ? Oui, j'étais large. Ok. Bon, il manque plus que cette putain de photo de zèbre envoyée à Flo, je sais pas comment je vais faire. Oh merde. Quoi ? Non, rien, j'ai oublié un truc. T'as oublié quoi ? Rien. Mais dis-nous. Bon, je vous l'ai pas encore dit, mais j'ai des petits problèmes de narcolepsie et je prends des cachets pour ça. Ah, carrément. Tiens donc, monsieur parfait. Bah c'est pas grave, dès qu'on voit une aire d'autoroute, tu t'arrêtes, tu vas prendre un café. Tu peux tenir jusque là? Oui, sans problème. Bah cool. Et t'as ça depuis longtemps? Oh, Mehdi! 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 Mehdi, réveille-toi! Mehdi! Oh, Mehdi! Oh. Un truc de ouf, là! Mais pourquoi tu nous en as pas parlé avant? Parce que j'avais peur de pas être engagé. J'ai jamais décroché un seul CDI à cause de ça et j'en peux plus vivre encore chez ma mère. Faut absolument choper tes cachets dans une pharmacie. Impossible, c'est sur ordonnance. Je suis vraiment désolé. Je vais m'arrêter sur la prochaine aire, c'est plus sûr. Tu m'étonnes. Mais pourquoi tu t'es pas arrêté? Oh mais Mehdi! 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 Pardon. T'es flippant comme mec. Vache! Mais Mehdi! Mehdi! Arrête, il dort pas! Je suis réveillé là! Ah oui, pardon. Augustin, tu vas prendre le volant. Oui, ça vaut mieux, hein. Tu fais quoi? On va pouvoir la faire, ta photo, Greg. Doucement, doucement, allez, allez, doucement. Allez, viens, petit, 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 petit. Petit, 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 petit. Petit, petit. On voit pas bien le zèbre. Essayez de le pousser au cul. Allez. Allez, petit zèbre. Allez. Petit zèbre. Allez. Oh oh oh, y'a rien. Arrête de rigoler, toi. Il m'a éclaté les roupettes. Bon, bah, pour ce que tu t'en sers. Putain, il m'a éclaté la tronche. Bien fait pour ta gueule. Mais dis, ça va? Oui, t'inquiète pas, Grégo, tout va bien. Et toi, Augustin, ça va? Oui, oui. Ok. Ok, bah, venez, on y retourne. Oh non. Ah, j'ai pas ma photo. Ouais, venez, faut la retrouver. Oh putain. On est entouré d'animaux sauvages, toi t'as peur d'un chat? J'ai jamais pu les encadrer, laisse tomber.
c'est fichu. Il s'est fait la malle. Allez, venez, on s'en va. Augustin, attends. Il nous reste de la peinture dans la camionnette. Quel étage ? Sixième étage. Bonne journée, monsieur. Moi de te poser la question. Chérie, promets-moi de ne rien dire à ta mère. Madame Martin ? Non, ça c'est ma fille. Ah. Voilà, regarde, tu crois que ça va faire plaisir à ta mère ? Je sais pas quoi lui prendre. Oh, tu rigoles, c'est sublime. Mais t'es fou, ça doit coûter une fortune, ça. Ah bon ? Mais pourquoi tu m'as suivi ? Bah, je croyais que t'allais au petit déjeuner. On se retrouve là-bas. Oui. Et puis. Ah oui. Bon, votre fille devrait vous laisser tranquille maintenant. Non, mais tant mieux, parce qu'elle me le pardonnerait jamais. Au fait, c'est si cher que ça, ce truc-là, ça vaut combien ? Le prix de votre culpabilité. Bon, voici votre alliance. Ah oui. J'ai mis à côté votre valise étiquetée XL Airways. Le but maintenant est de vous éloigner au maximum de l'hôtel. Ouais. Pour ça, on vous a organisé une route des vins qui durera toute la journée. Et Cynthia, comment vous allez faire ? Pas d'inquiétude. Cynthia ? Oui ? Michael, enchanté. Et voici Adèle, mon collaborateur. Enchanté. Quelle chance incroyable de se retrouver dans le sud en même temps. Pour rigoler, c'est moi qui ai de la chance d'être tombé sur votre vidéo Mardi Michto sur YouTube. C'est vrai, ça vous a plu ? Mais tellement. On sent les années de boulot pour en arriver là. D'ailleurs, comment vous est venue cette idée ? J'en avais marre de ces filles au sein refait qui se font rincer au champagne par des vieux. Je comprends. Sinon, ça fait combien de temps que vous êtes producteur ? Alors moi, j'ai travaillé une dizaine d'années chez Universal Music avant de monter mon propre label. Voilà. Et j'ai lancé un tas d'artistes comme Louane, Stromae, La Fouine. C'est énorme, La Fouine ! Ouais, je sais, merci. Non, c'est énorme parce qu'il est là. C'est dingue. Ah ouais, c'est marrant, ouais. Vous allez pas lui dire bonjour? Bah si, si. J'y vais maintenant. Voilà. Hey! Hey, comment tu vas? Ah, ça fait plaisir de te voir. Ça fait longtemps. Ça va ? Forme. Mais t'es qui, toi ? Mais tu me reconnais pas ? Tu sais, j'étais venu te voir une fois à ton concert. J'étais dans la fosse. C'était moi. Il se fout de ma gueule ou quoi ? Tu veux quoi ? En fait, je cherchais les toilettes et je voulais savoir. Mais... Il m'a pris pour un GPS à chien, tu quoi ? Aïe, il est con, lui ! Non, mais t'as fait quoi, là ? Tu m'as frappé l'épaule, là ? Je suis vraiment désolé, excusez-moi, je sais pas comment me faire pardonner. Pardon. Tiens. Ah oui, quand même, ouais. Bon bah, c'est pour moi.
tourner, les gars. Avec tes temps bons, toi. Ah ouais, je suis un bon, moi. Ah ouais, c'est allez, bon. Merci. Ah, merci. Il est bon, il est bon. Il merci, est bon, les il gars. Est bon, il est bon. Merci, merci. Allez, casse-toi, bouffon. Ouais, allez, carrément, casse-toi. Carrément. Voilà, quel amour, ce type. Un petit peu collant, mais très sympa, le gars. C'est sympa. Non, merci. Vous voulez boire quoi? Du champagne. Champagne, ok. Et vous, buvez quoi? Du Red Bull. Il va prendre du Red Bull. Vous dégustez, mais vous crachez dans le crachoir de mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Alors, nous y voilà, nous sommes en entrée de gamme avec beaucoup de rondeur, mais surtout une tonalité fruitée. Est-ce que quelqu'un a reconnu le fruit prédominant? Fruit de la passion. Déjà Louis XIII, on le dit, en faisait venir à la Pentecôte. Parce que justement, ces arômes se mariaient très subtilement avec l'agneau de... Bien, comme je vous le disais, en 1930, Sébastien Hamel a intégralement reconstruit le domaine. Il est extrêmement chiant. Chut, arrête, Merlet. J'ai trop bu, je vais aller prendre un air. Tiens. Oh, viens, on s'en va, il est encore plus chiant que Maurice. Marlène, reviens. Enfin, on va pas abandonner le guide. Bah si, regarde, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oh, allez, viens, on va s'amuser. Non, non, c'est pas sérieux, on retourne. Non, maman, ah non, 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 non. Château. Oui, bon, ben, on traîne pas. Allez. Allez. Flash spécial, le sud de l'Afrique à nouveau touché par un tremblement de terre qui frappe la Tanzanie. La Croix-Rouge française lance un appel. Vous pouvez monter le son, s'il vous plaît. À ce jour, les autorités locales dénombrent plus de 700 disparus. 700 disparus dont on ignore la nationalité. Les recherches ont... Et là, je me dis Cynthia, enfin, je me dis Kiki. Parce que je peux pas dire Sissi comme il y a une grecque. Je me dis, Kiki, va au bout de tes rêves. Kiki, lâche ma steak. Vas-y, Kiki. Elle est comme ça, Kiki. On la jette ou on la garde. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. C'est les studios. Je vous laisse un instant, ok? Un vrai Kiki. Allez, chin. Un Tanzanais? Ouais, c'est pour lui faire une blague. On doit lui faire croire qu'on est là-bas. Ok, mais tu m'achèteras mes chapeaux après, hein? Oui, oui, je t'achèterai tes chapeaux. Et par contre, t'en fais pas trop, sinon on va se faire griller. Pas de problème, mon ami. J'ai fait du théâtre dans mon pays. On m'appelait le Will Smith des Aigrois. Cool. Chérie? Coucou, mon amour. Je viens seulement de voir tes appels. Comment tu vas? Mais c'est à toi qu'il faut demander ça, t'as rien? Non, non, bah écoute, moi tout va bien.
J'ai un guide qui m'a fait visiter les alentours. En plus, c'est marrant, il parle français, regarde. Bonjour, c'est Doudou. On est à Tanzanie. C'est qu'on est en Tanzanie. Tu fais des visites alors qu'il vient d'y avoir un tremblement de terre ? Un tremblement de terre ? Ah oui, le tremblement de terre. Ouais, non bah écoute, ici on n'a pas été trop touchés, hein. Mais en même temps c'est grand la Tanzanie, tu sais. Oh, tu m'as fait de ces frayeurs. Ils disaient aux infos qu'il y avait plein de disparus, j'ai eu peur de devoir appeler un ex. Ah, très marrant. Non mais t'inquiète pas, de toute façon Doudou va me ramener à l'hôtel. Oui, je le ramène au Sofitel de Tanzanie. Ils t'ont mis au Sofitel finalement ? Ah bah je savais pas, classe. Ouais, il y a pire, hein. Bon, et toi tu vas faire quoi aujourd'hui ? Bah je devais aller à la piscine, mais il y avait trop de monde. Du coup je vais à la plage. Ah oui, c'est vrai ? Et quelle plage ? Ça s'appelle la plage Zelos. Sympa. Cool. On est en Tanzanie, hein? Oui, on est en Tanzanie. Je te laisse, ma chérie, je te rappelle plus tard. On va à l'hôtel, ok? Allez, on va. Bisous. Mais on est en Tanzanie. On est en Tanzanie. J'ai coupé, là. On est en Tanzanie. Ok, j'ai une super bonne nouvelle. Je viens d'avoir Paris, je leur ai parlé de toi, ils veulent absolument te rencontrer. Ouais, quand? Maintenant. Ah non, je peux pas, j'ai laissé toutes mes affaires à l'hôtel. Mais c'est pas grave, on passe les prendre tout de suite. Allez, faut y aller, ils sont hyper impatients. C'est vrai ? Je suis excitée comme une pute. On y va. C'est la merde. Flo arrive ici. Donc reste là pour garder un œil sur elle. Faudrait pas qu'elle repasse à l'hôtel pendant que j'y suis. Ok, compte sur moi. Ouais, rigole, rigole, rigole. Quand tu me rappelleras de ne plus jamais te prêter de voiture. Je suis désolée. Bah, de quoi ? D'être devenue aussi ennuyeuse. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as toujours été ennuyeuse. Mais non, tu sais bien. Mais depuis que je suis à la retraite, j'ai l'impression de ne plus servir à rien, de ne plus être vivante. Mais enfin, c'est normal, t'étais passionnée par ce que tu faisais. Tu vivais des choses palpitantes. Remarque que tu peux vivre encore des choses fortes, hein. Regarde ce que tu viens de faire avec cette voiturette. Tu sais, si t'avais été voir ailleurs, bah, j'aurais pu le comprendre. Pourquoi tu dis ça ? Et toi ? J'y ai pensé. Bah, c'est vrai, tu me regardes plus, tu fais plus attention à moi, on partage plus rien. Mais je l'ai jamais fait. Parce que je t'aime trop. Puis je me dis que j'ai eu raison. Quand je vois la surprise que tu m'as faite ce week-end. Ouais, écoute... On va arrêter de déprimer, de vivre dans le passé. Tiens, regarde. Dis-toi que t'es comme cette pierre, là. Plate ? Oui, enfin, pas que. C'est à toi de décider. Ou tu te laisses couler, ou alors tu rebondis. Oh. Apprends-moi. D'accord. Alors. Tiens. Alors, casse bien le poignet. Voilà, bien parallèle à l'eau. Ouah ! Mais non, t'y as pas cru. Sois plus optimiste. Et vas-y. Oui. Bon ben, on y va. Médicament de soleil. Le nouveau médicament de soleil. La nouvelle mode de New York. Madame, ça c'est le coup de pied. Le nouveau médicament de soleil. Bonjour madame. Médicament de soleil. Doudou ? Non, moi c'est Baba. Ah pardon, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup votre tenue. Si tu veux, j'en ai plein à vendre. Hein. Bonne idée, ok. Allez, réponse à le relou. Sofitel Zanzibar Airport, how can I help you? Hello, can I speak to Mr. Gregory Van Yffel, please? One moment, please. I'm sorry, madam, but there is no one registered. Are you sure? He told me he was staying there. I'm very sorry, but I cannot find any Gregory Van Huffel. Okay, thank you. Voilà. Merci les jeunes. De rien les vieux.
Ah, tu te souviens quand on s'est éclaté là-dessus, là ? Ouais, c'était il y a plus de 20 ans. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Bon, allez. C'est papa qui m'a dit d'arrêter de vivre dans le passé. Collaborateur qui a rien trouvé de mieux hier soir que de rentrer dans une borne avec la camionnette. Et d'ailleurs, pourquoi il est pas venu avec nous? Il est resté là-bas pour gérer un dossier très important. En tout cas, bien joué. Comment ça? C'est pas genre le coup de la panne et tout. Mais là, la voiture est vraiment en panne. Ouais, c'est ça. Et mes seins, c'est des vrais. Trop mignon. Merde! Oh, pardon. Oh! Ça? Ouais, mais dis, c'est moi. J'arrive pas à joindre Greg. Tu peux me rappeler pour me dire s'il a bien déposé Cynthia sur Paris parce que j'ai perdu la trace des parents de Flo. S'il vous plaît. Tu vas où? Dans le centre de Cannes. Allez, c'est parti, grimpe. Oh, merci. Vous allez où habillé comme ça? Ah, on va une soirée super-héros. Tu veux venir avec nous? Super-héros? Oui. Ah non, je peux pas, je dois rentrer. En plus, j'ai même pas de déguisement. Oh, t'inquiète pas, on va t'en trouver un. Tiens. Merci. C'est bizarre, hein? C'est quoi? Ça s'appelle Beautiful Life. Tu vas voir, avec ça, la vie va paraître magnifique. Allez, viens avec nous, on va s'éclater. Allez, viens avec nous. Non, je peux vraiment pas. Allez, viens. Non, je peux pas. Viens. Non, je peux vraiment pas. Je suis désolé, mais non. Il a tort. Il est bourré ou quoi? Magnifique! Il y a un autre. C'est quoi ce délire là? Qu'est-ce que je fais? Ça a été que le coup des matelas gonflables.
débrouillera. On va bientôt arriver en France. Tu t'appelles comment? Oh putain. Oh, la police! La police! Oh. Attends. Cachez-vous là, je vais faire diversion. Merci beaucoup, merci. Allez, rentre. Ouais, c'est ça. Et moi, je bois que de l'eau. Oh, j'ai les genoux en vrac. Oh, moi, c'est la manche. Flo, t'es là, chérie? Oh. Merci pour cette soirée, Minou. Ah, Minou, oh, et ça date, ça, Minou. Ah, oh, je sais. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Minette. Vas-y, Mine, vas-y, Minou. Jette-toi, moi, le nénuphar. Vas-y, bouge pas, bouge pas. Vas-y, comme ça. Vas-y, vas-y. C'était bien la plage, ma chérie. Room service. Oh, je vais mourir. Les moules farcies, c'est pour qui? C'est pour moi. Donc je présume que la queue de homard, c'est pour madame. Voilà. S'il vous plaît. Merci. Mademoiselle, vous êtes sûre de ne rien vouloir commander? Et toi, t'es sûre de ta coupe de cheveux? Bon appétit. Mais chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais je lui ai dit que j'avais pas faim. Bon, c'est Greg. Je crois qu'il a quelqu'un d'autre. Quoi? Mais pourquoi tu lui dis ça? Il m'a menti, il est pas en Tanzanie. J'ai appelé à son hôtel, il y est pas. Mais t'es sûre que t'as appelé le bon? Je les ai tous appelés. Salaud! Pour une fois, je donnais ma confiance à un mec. Hop, c'est par là. Allez. Il fait froid, vous pouvez pas me prendre dans vos bras? Je vais vous donner ma veste plutôt. Tenez. Allez. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à notre secours. Vous nous ôtez une fière chandelle du pied. Moi, c'est Cynthia, enchantée. Et vous? Moi, c'est Marco. Marco Garcia, du clan des Garcia. Et la raclée, là, c'est ma femme, José. José Garcia. À mon dauphin. Allez, dégage. Ah, j'adore votre collier, c'est des coquillages? Non, c'est des chicots. Et les chicots de qui? Ah, ça dépend. Regarde, celle-là, par exemple, c'est celle de celui qui m'a fait ça, là. Non, mais regarde le narvalo de ses morts, ce qu'il a fait à ma caisse, là. Il est récupérable, ça. Confiant de ses morts. Marco! Ouais. J'ai vu le mec, il a vu le mec, c'est. Il a vu le tout ça, dans tes temps. Et là, il est parti à équiper le. Avec le. Il a vu le. Non! Si! Pas choisi! Putain, t'as choisi! Mais putain, dis ce que j'ai, la gueule! Ouais! Dégage! On prend le bouillard avec ça! On prend le bouillard! Allez, le bouillard, allez, on va se faire la main! J'ai pas compris tout ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un connard, il nous a volé un zèbre l'autre soir, il a mis ça dans la cage à la place. Pichou, montre-lui ce qu'il a foutu dans la cage. Mais t'inquiète pas, là, on a récupéré la vidéo des caméras de surveillance de la ville qu'il a filmé. Vivement que je vois sa tête à cet enculé, il va finir dans le ciment. Là. Dans le ciment. Bon, eh bien écoutez, nous on va vous laisser, apparemment vous avez des choses à faire. En tout cas, merci beaucoup pour votre hospitalité. Pas de question. Un Garcia laisse jamais quelqu'un dans la merde. Attendez 2 minutes, on redave la vidéo et après on vous ramène à la ville. Et puis tu vas pas laisser ta Gadji marcher avec ses godillots dans les bois là. Gadji. Merci, c'est gentil. Et puis on n'est pas à 2 minutes près. Alors on a un petit problème. En fait, c'est moi qui ai volé le zèbre.
Excusez-moi, est-ce que vous avez des toilettes? Va derrière la caravane, tu seras tranquille. Je vais y aller moi aussi. Hein? Laisse-la chier tranquille. Ouvrez cette putain de porte. Je sais pas, c'est où? Je vais tuer tes morts, fils de pute! Désolé, j'ai une carrière. Tu rates ma caravane? Non, pas du tout. Pas du tout. T'es mort! Mais tout vous expliquer. Tu t'es pris pour qui? Hein? Tu t'es pris pour qui? Tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Je vais te défoncer. Qu'est-ce que vous faites tous ici? Pourquoi je suis à l'hôpital? Tu t'en rappelles pas? Ben non. Les pompiers t'ont amené ici après l'accident. Mais je suis resté inconscient longtemps. Elle s'appelle comment? Qui ça? Celle avec qui t'es pas partie en Tanzanie. Mais de quoi tu parles? Tu sais ce que c'est ton problème, Greg? Tu sais pas mentir. J'ai appelé tous les hôtels, il n'y avait pas de Grégory Van Uffel. Alors arrête de te foutre de ma gueule si tu veux pas te manger une table de chevet dans la tronche. Bon. Ok, je vais te dire toute la vérité. Ah, c'est faux! Bah qu'est-ce qui te prend? Il a encore rien dit. Ah, pardon. Il manque plus que toi pour que tout soit parfait. C'est bien ce que tu m'as dit, non? Du coup, je suis parti plus tôt de Tanzanie pour te faire la surprise. Alors ouais, je t'ai menti. Quand tu m'as appelé, j'avais déjà quitté l'hôtel. Et quand je suis arrivé ici, impossible de trouver un taxi. Alors des campeurs m'ont pris en stop. Flo, si je voulais te tromper, tu crois franchement que je serais venu ici? C'est vrai qu'il faudrait être con pour ramener sa maîtresse au même endroit que sa femme. c'est clair. Qu'est-ce que tu fais? Si t'es vraiment parti en Tanzanie, tu dois avoir un tampon sur ton passeport. Encore désolé pour le contre-temps, monsieur Salem. Mais bon. Ouais, c'est ça. Bonne journée. Augustin? Désolé, monsieur, j'ai pas de monnaie. Mais non, c'est moi, Mehdi. Mehdi? Mais où est Greg? C'est bon, il est parti sur Paris avec Cynthia. Ah, enfin, une bonne nouvelle. Mais c'est quoi cette dégaine, là? Heureusement qu'on est censé être discret, hein. Ouais, c'est vrai qu'avec toi, on passe incognito. Heh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 
Allez, viens, on rentre. Ah, il est enfin réveillé. Désolé, monsieur, dame, je vais devoir vous l'emprunter pour faire les examens. Vous pouvez annuler sa vasectomie. Je repasse tout à l'heure avec ma tenue d'infirmière, si t'es sage. Je savais que t'étais un type bien. Tiens, c'est pour te remonter le moral. Mon petit Greg, ces mésaventures m'ont fait prendre conscience de beaucoup de choses. J'ai réalisé la chance que j'avais d'avoir une femme aussi formidable que Marlène. J'ai fait n'importe quoi et je regrette. Mon contrat prend donc fin aujourd'hui. Merci pour tout. Ah, PS, j'ai appelé Cynthia pour lui dire que tout était terminé. Oh, la pauvre, elle était en larmes. Je pense qu'elle mettra du temps à s'en remettre. Mickaël ? Mickaël ? J'ai trouvé la clé de votre chambre dans votre veste. Mickaël ? Je suis désolée d'être partie comme ça hier. Je voulais m'excuser. Eh, hey, franchement, bien joué pour le coup du tampon sur le passeport. Tu pourras dire merci à Mehdi aussi, c'est lui qui me l'a rappelé. J'aime bien, en fait, ce type. Non, parce que là, je te jure, j'étais à deux doigts de me faire griller. Ouais, c'est clair, ouais. Allô ? Bonjour monsieur, je vous appelle car j'aurais besoin de voir une jeune femme dimanche après-midi dans la plus grande discrétion et on m'a dit que vous pourriez m'aider. Vous êtes déjà en couple ? Oui. Et vous l'aimez encore ? Oui, je crois. Alors pourquoi vous voulez faire ça ? Pardon ? Écoutez, j'ai un seul conseil à vous donner, n'y allez pas. Vous le regretterez un jour ou l'autre, c'est certain. Je suis désolé, mais je peux pas vous aider. Au revoir. Bon, bah, au revoir. Votre scooter est prêt, monsieur le président. Allô ? Greg, on est dans la merde. On nous a volé l'ordi et le disque dur avec tous nos dossiers. C'est Cynthia. Je sais, on l'a vu sur les caméras de vidéosurveillance. On est à son hôtel, mais elle est déjà partie. Le réceptionniste nous a dit qu'elle a pris un taxi en direction de l'aéroport. Faut absolument récupérer l'ordinateur avant qu'elle se casse, sinon on est mort. Fonce à l'aéroport, j'y vais de mon côté. Ok. La femme va accoucher. Voilà, on a perdu les eaux il y a 10 minutes. Arrêtez pas, monsieur. Allez-y. Allez-y. Elle n'est pas à terme. C'est son 8e mois de grossesse. Est-ce que vous avez déjà des contractions ? Allez, on y va. On va te sortir de là, on va. Ah, ouais. Oh putain, tu es de ses morts. Viens là. Stop. Hey, donne-moi ta charrette ou je t'éclate tes chicotes. Ça va, merci, on m'a déjà fait les carreaux. Viens là. Viens là, ça va, viens là. Oh,
C'est le buzz du moment, Alibi.com, cette société créée par un certain Grégory Van Uffel et qui permet à ses clients de mentir à leur entourage. Le problème, c'est que la liste ultra confidentielle des clients vient d'être publiée sur Internet par Cynthia Bellini, une des victimes de cette société. Parmi les autres victimes, on retrouve des anonymes, mais aussi des personnalités du show business et de la politique. Souhaitons donc une bonne journée à tous les clients d'Alibi.com parce que je pense qu'ils vont en avoir bien besoin. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. C'est quoi la surprise? I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Abstinence, ABSTINENCE. Van Uffel, c'est bon, tu peux sortir. On se verra au tribunal. Flo, c'est moi. Ouvre-moi. Je sais que t'es là, ton père me l'a dit. Flo! Flo, il faut que je te parle. Pourquoi faire? Écoute, si je t'ai menti depuis le début sur ma société d'alibi, c'est parce que j'avais qu'une peur, c'est que tu me quittes. Et quand Gérard est venu me voir, moi je savais pas que c'était ton père. Quand je l'ai su, c'était déjà trop tard, j'étais pris au piège. Tu sais quoi, j'étais persuadée que tu serais l'homme qui me rendrait la plus heureuse au monde. Et finalement, t'es celui qui m'a fait le plus mal. Il faut que tu me laisses une seconde chance. Non, écoute Greg, c'est trop tard. Je suis passée à autre chose. Mais alors quoi, c'est fini? Mais non, mais c'est pas possible. Je sais très bien que tous les deux, c'est une évidence. On est comme Brandon et Kelly dans Beverly Hills. Et c'est qui, lui? Je viens de te le dire, je suis passée à autre chose. Au fait, on avait eu l'accord pour l'appartement. Et dans Beverly Hills, Kelly, elle finit avec Dylan. Oh, mais ça va pas, vous êtes qui, vous? Déposez-moi l'angle de la rue, s'il vous plaît. Ah bah non, moi ça m'arrange pas parce que là j'attends ma copine. C'est vraiment pas le moment de me faire chier. Plus vite tu me déposes, plus vite tu la retrouves. Eh, hey, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite? À cause de toi, mes parents ont divorcé, comment? Vous voulez pas plutôt prendre un bus ou... Oh, putain. Bon, bah d'accord, j'y vais, mais... Can't you feel? Can't you feel? Can't you just feel my love in a way?
Tu crois qu'il va t'acheter tout le stand ? J'en sais rien. En tout cas, j'ai jamais vu ton père comme ça. Je sais pas comment t'as réussi à lui pardonner. Je t'admire. Tu sais, ma chérie, on pardonne à la mesure que l'on aime. Et j'aime ton père. Les plus belles fleurs pour la plus belle des femmes. C'est pas Maurice, là-bas ? Oui, avec son fils. Allez-y, je ramène les crêpes. C'est à vous. Qu'est-ce que je vous sers ? 3 crêpes au sucre, s'il vous plaît. Ouais. Vous voulez boire quelque chose avec ? Non. Manufal ! Oui ? 4 ans. Pardon ? On m'a trompé 4 ans à cause de toi. Ah, écoutez, je suis vraiment désolé. Tout ça, moi, c'est d'histoire ancienne. Non, ça va, doucement. Oh, je vous dis que c'est... Ça va. Ah, écoutez, les mecs, si c'est de l'argent que vous voulez, j'ai plus rien. J'ai fermé ma boîte. Ça, c'est fini pour moi. Mais j'ai rien à foutre de ton argent. Moi, ce que je veux, c'est que tu regardes ce que t'as fait. Ah, écoute, mec, crois-moi que je regrette déjà. À cause de tout ça, moi, j'ai perdu la femme de ma vie. Ouais, mais c'est bien fait pour ta gueule. Arrêtez! Pourquoi tu ris, abruti? Parce que c'est une bonne chose que je vous croise finalement. Quoi? Je vous l'ai dit, j'ai perdu ma femme. Alors à quoi ça sert de continuer, franchement? Allez les gars, faites-vous plaisir, finissez le boulot. Eh, venez. Vous attendez quoi? Il est taré. Allez, les village people, vous attendez quoi? Venez, là. Laisse tomber, Ellie, c'est un malade mental. En plus, c'est plus d'alcool. Allez, finissez-moi, je vous dis, là. Putain, allez, non. Ah. Ça va? Oh, je confirme, jamais un mec m'a fait autant de mal que toi. Oh, je t'ai blessé. Oh, la vache. Pff, quelle bande de lâches. J'espère qu'il y a des caméras de surveillance pour qu'on les retrouve. Moi aussi, j'espère. Comme ça, je pourrais avoir mon coup de pied de Vandame. Flo, dis-moi ce que je dois faire pour que tu me pardonnes. Me faire fouetter, passer une semaine de vacances avec Maurice. Je peux même perdre au bowling, si tu veux. Promets-moi juste de plus jamais mentir. Je te promets. Je t'ai déjà dit que je t'aimais. Non. C'est cool. Donc ils étaient 3, c'est ça ? Et 3 ouvriers. Je suis dégoûté. J'aurais jamais dû le laisser tout seul. Je serais défoncé, moi. Alors depuis Alibi, vous faites quoi maintenant ? On a ouvert une nouvelle boîte, une agence matrimoniale. On essaie de recoller les morceaux entre les couples. Oh, ça fonctionne ? Bah, tellement bien que j'ai enfin pu prendre un appart et partir chez ma mère. Faut dire qu'on a un fichier client plutôt conséquent. C'est sexy, les gueules cassées, hein ? Pourquoi je t'ai frappé d'après toi ? Tu m'as manqué, petit con. Toi aussi. Pour vous.
DJ, balance les beats. Avec vos mini-jupes, vos talons et vos faux seins, faut pas s'étonner qu'on vous traite de tapin. Moi, pour ma part, je suis bonne même en survêt. On ne mélange pas les tampons et les serviettes. Ma péniche d'eau qui te met sur messagerie, si sur le parking tu n'as pas une Ferrari. Si t'as une Dacia, elle se retourne pas sur toi. Alors que moi je m'en fous dans tes infâmes. Ma péniche d'eau, tu pécho en un quart d'heure. Si tu leur dis que tu es un footballeur, moi pour me pécho, va falloir te lever tôt. Mais je ferai exception pour Ronaldo. Elles ont tellement de fils, toutes ces nanas-là, qu'on pourrait croire qu'elles bossent chez Bricorama. Chihuahua, tu dois lui mener la vie du haut. Alors que moi, j'adore les bêtes, j'ai des manteaux de fourrure. Ma péniche d'eau qui te met sur messagerie, si sur le parking tu n'as pas une Ferrari. Si t'as une Dacia, elle se retourne pas sur toi. Alors que moi je m'en fous dans tes infâmes. Tu pécho en un quart d'heure. Si tu leur dis que tu es un footballeur, contrairement à toi, moi j'ai un grand cœur. Une fois je suis même sortie avec un chômeur. Avec un chômeur. Arrêtez de vous la jouer perso, faites comme moi. Offrez-vous Louboutin aux petits Africains qui meurent de faim. Et si vous avez du parfum, n'hésitez pas, ils en ont besoin. Hashtag pince à linge. Moi, après le tsunami, je leur ai même offert mon sac Gucci. Hashtag ancienne collection. Et c'est là qu'on se dit que le monde est injuste. D'un côté, il manque de l'eau, et de l'autre côté, ils en ont trop. Hashtag pas cool.